Hop, tu vois, on passe directement là. Bon. Parce qu'à un moment donné, il nous saoule un peu là, ce boss. Mais je sais que je peux le battre, parce que je vais pas vous mentir. Un peu plus tôt, j'ai joué très rapidement pour voir le boss, et je pense avoir trouvé une technique. Voilà. Donc, ça devrait le faire. Ouais, mais j'ai pas joué longtemps, vous inquiétez pas. En vrai, j'ai joué quoi? 5 minutes, tu vois. Donc ça devrait être assez rapide. Je vais quand même régénérer un peu. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que, en fait, la visée inversée est par défaut. Heureusement, enfin pour moi heureusement puisque je suis quelqu'un qui joue en visée inversée pour ceux qui me connaissent. Oh merde. Beaucoup de bruit quand même. Ouais, non, mais moi j'ai tout. Moi j'ai été. Moi j'ai appris comme ça, tu vois. Pour moi, visée inversée, ça me paraît plus logique. Même si ça ne l'est pas pour d'autres, tu vois. Parce que moi, la visée inversée, je l'ai par rapport à des jeux de d'avion ou ce genre de trucs, du coup. Ah, mais... Ah non, là, il s'amuse avec moi, là. C'est pas ouf, je vais me régénérer encore une dernière fois. Après, en fait, tout dépend de comment comment dire? Tout dépend de comment tu analyses le truc, tu vois. Par exemple, avec un personnage, pour regarder en haut, t'as besoin de... Enfin... Ça va paraître bizarre hein, ce que je vais dire, mais pour regarder en haut, t'es obligé d'incliner ta tête vers l'arrière, tu vois, donc vers le bas. Quand tu veux viser, c'est pareil pour le corps, tu vois. Donc moi, c'est comme ça que je prends le truc en fait. C'est pour ça que ça paraît. Ah, je pense qu'il m'a poursuivi, je pense. Ah bah non, ça va. Mais voilà, tout dépend de comment tu prends en compte le truc. Mais c'est vrai que beaucoup ne comprennent pas la visée inversée, mais je peux comprendre aussi de votre point de vue, hein, c'est... Oula! Ah, je pense que je l'ai réveillé. Non mais! Ah, je. Eh, franchement, comme j'ai dit, eh, le mur, c'est l'ennemi principal du jeu, quoi. C'est. Avec la caméra. Pas possible, ça.
Bon, vous savez quoi? Je vais tous les tuer, comme ça au moins je prendrai pas la tête. Parce que là, ça commence à me saouler un peu. Voilà. Eh mais ils ont la... Je vais me régénérer encore. Ils avaient la haine là, ils m'ont sauté à deux. Ils ont voulu me tuer. Il y a eu une volonté de nuire là quand même. Et je l'ai senti là. On a voulu me faire perdre mes 7000 âmes là que je dois récupérer. On va aller encore plus doucement du coup. Possible ça. Ah. Ah, attendez. Ah, je peux même pas le viser, quoi. C'est dommage, j'aurais aimé le viser de loin. Ouais, non, ça prendra trop de temps là. À un moment donné. Ah là 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 là. Allez. Là, on va pas se prendre la tête, là, on va courir directement. On perd pas de temps. Non, c'est pas ouf ça.
Oh là là! Bah, je pense que là vous avez vu comment je l'ai démonté, tu vois. Voilà. Ah là, il m'a eu. Mais vous voyez que je peux le battre, hein. Je peux le battre. Ça, y a pas de... J'ai pas de doute là-dessus. En fait, faut toujours se mettre derrière lui. Et comme il est trop gros, le temps qu'il se tourne, etc., t'as le temps de le défoncer. Sauf qu'en fait, je perds beaucoup en endurance. Donc, comme j'ai dit, le truc que je vais augmenter quand je serai sorti de là, ça va être l'endurance et la vitesse. Il y a moyen. Ça, c'est une certitude. Je suis confiant. J'ai pris le cadavre sous mon bras, quoi, en mode ça a été mon bagage pendant un instant, quoi. J'ai pas trop compris. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bon, vu comme ça, c'est un peu bizarre, donc on va mettre comme ça. C'est-à-dire au moins il est pas embêtant. Tu parles de quoi là? Puis tu peux dire ce que tu veux, hein, tu sais. Ah mais voilà, là c'était un problème d'endurance, tu vois. Faire le...
Voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais tu peux dire ce que tu veux! On est ouvert ici! Bon, après, il y a des limites quand même, mais on est ouvert quand même! Regardez, j'ai combien de. D'âmes? 11 000! Bon. Ouais, on est en 2023, après, il y a quand même des limites. Moi, je suis archaïque, vous savez. J'entends des gens qui marchent. Ah, ils viennent de là-bas. Bon. Allez. Peut-être qu'on me dira où je peux l'utiliser, hein. Probablement, hein. Se poser au bord de la... Ah, ben voilà, ils le disent. Se poser au bord de la falaise et brandir la bannière. Après, pour 2024, il faut que je fasse une vidéo spéciale, vous savez très bien, hein. Tous les 1er janvier, je fais un petit truc, une petite vidéo à l'arrache, tu vois, en mode... pour le fun. Ah, attendez, là. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, ça a l'air compliqué là. Ah, ça va, ça va. Ça va, apparemment ils sont avec moi. Parce que je me suis dit, c'est quoi cette blague quoi? Je brandis la bannière et il y a quelqu'un qui vient m'attaquer. Je me suis dit peut-être que la prêtresse elle s'est foutue de ma gueule, tu vois. Mais non, ça va. Apparemment c'est un genre de passe qui permet d'invoquer ces... C'est drôle de... d'ennemis. Par contre, on n'a toujours pas trouvé la dame qui est censée... à qui on doit donner la bague, là. Je sais pas si vous vous souvenez du voyou qu'on a libéré alors que le mec pouvait se téléporter, tu vois. Ça, j'ai pas oublié, hein. Ça, je vais pas vous mentir... Ça reste une énigme intrigante. Là. Ah oh, attends, attends, attends là, oh. Viens, viens, viens. Pourquoi tu l'attaques? Pourquoi tu... Ah mais... Merde. Moi, je vais au front, moi. Direct. Où est-ce qu'il est? Il y avait un autre chien, normalement. Ah, moi, j'étais là pour la guerre, moi. Déjà, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Gaffe là, les chiens.
Tu vois, s'il y avait ce guerrier-là dans Resident Evil, là, dans Resident Evil 1, là, où il y avait les chiens, les Doberman, là, qui sautaient sur... Enfin, pour ceux qui connaissent Resident Evil 1, lui, il les aurait démontés, les Doberman, tu vois. Ah. Please grant me death. Undo my shackles. Oula. Attends, peut-être que c'est une de ces personnes-là à qui je dois donner... Attendez. Truc, c'est que je sais pas laquelle. Attends. Parce que y a un truc à donner normalement. Je peux l'enlever. Je sais pas qui. Après, apparemment, ils disent accordez-moi la mort, je dois les tuer. Peut même pas les tuer. Ah si. On peut les tuer. Killing undead for sport. Accursed champion. Bon, je vais pas tous les tuer du coup, parce que j'ai la flemme déjà, et puis parce que j'ai pas envie. Voilà. Est-ce que c'est un ennemi? Ouais, ça a l'air d'être un ennemi quand même un peu, non? Ouais. Bon bah oui, les mêmes trucs, les mêmes scènes vont recommencer puisque j'ai... Je me suis régénéré. Je vais pas me prendre la tête, hein. Bon après je vais augmenter mon endurance, hein, vous inquiétez pas, là j'apprends juste un peu. Je sais pas si vous voyez quand c'est sombre comme ça chez vous, mais... Je vois pas grand chose donc là. Non, non. Je suis tombé où là?
os de Loretta. Loretta, c'est une personne que je dois récupérer, que je dois retrouver normalement. Enfin, c'est celle à qui je dois donner la comment on appelle? Le truc que j'ai récupéré, quoi. Maintenant, je vais tuer tous ceux qui m'attaquent. C'est ça le problème, c'est que je suis trop gentil, tu vois. J'aime pas tuer ceux qui m'ont rien fait, tu vois. Donc j'ai envie de savoir. Ouais, je sais, je suis quand même un peu. J'ai une manière de jouer assez différente, mais. Je suis comme ça, tu vois. Oula. Là, je viens de. Oula! C'est quoi ce truc? Ah, il y a des attaques de ouf, lui. Bon, je vais. Arrête! Oh, c'est pas possible ça. Je vais devoir tous les tuer en fait. Oh. Ce qui est bien, c'est que je me refais en âme, mais bon. Ah merde, je pensais qu'elle allait rien me faire. Tout, je le voyais prier, je me suis. Oula, attends. Est-ce que tu vas te lever pour me frapper? Ouais, ça se voit, ça part. Je vais même pas te laisser le temps là, vas-y, crève. Toi aussi là, je sens que tu veux me faire du mal, c'est bon, vas-y. Toi aussi. Allez, tiens, crevez tous, là c'est bon. Je me prends même plus la tête, tu sais quoi, je vois quelqu'un. Toi là, je sais que tu me veux du mal. C'est bon, hein. Non, mais qui crève tout, c'est tout en fait. Ah! Attends, là il y a quelqu'un. Que si à chaque fois que je m'arrête à l'un d'eux avec gentillesse, je me fais frapper, pour moi toute la ville est mauvaise. Allez, c'est bon. J'ai envie de dire, la ville mérite d'être détruite, quoi. Mais la ville, elle a l'air grande aussi. J'aime pas quand c'est trop grand comme ça, là. Attends, j'ai vu quelqu'un qui est apparu derrière moi, non? C'est une hallucination, probablement. Oh, c'est pas possible ça. Merde. Oula, qu'est-ce que je fais là? Non plus que je tombe dans des endroits. Qui risquerait de m'apporter le mal.
Boire la soupe d'Estus. Ça sent mauvais, non? Franchement. Attends. Je vais quand même le boire. Allez, pourquoi pas. Bah, ça donne juste de l'énergie en fait. Ah. Maintenant, quand je m'approche d'un truc, j'appuie sur la touche pour lock. Comme ça, si ça lock automatiquement, c'est que c'est un ennemi, tu vois. Tu vois, il y a des petites, y a des petites règles à retenir comme ça. Hein. Tu vois. Ça permet de savoir automatiquement. Merde. Je me barre. Ça me paraît pas accueillant du tout. Je vais me régénérer. Quoique. Attendez. Merde. Dès que je sens que j'ai peu d'énergie, je pars. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me régénérer dans le truc, tout simplement parce que si je le fais, il se pourrait que. Bah, en fait, bah, tout le monde va revenir, en fait. C'est ça le problème. Et il m'a fait peur! Après, la tranquillité ici. On avance pas mal là quand même. Mais après, il faut que je retourne en arrière parce que, pour ceux qui se souviennent quand même, je suis tombé de haut. Donc j'ai skip quand même pas mal de trucs, probablement, tu vois. Donc ça aussi, faut pas l'oublier. Qui utilise sa technique de loin là. Je pense que je vais retourner en RM, me régénérer et je vais skip. Et déjà, je vais voir ce que j'ai raté parce que là, vu l'énergie qui me reste, je vais pas faire long feu en fait. Surtout que quand il y a trop de rembranchements comme ça, ça me fatigue. Déjà, je vais voir. De toute façon, je suis obligé de remonter là-haut pour retourner en arrière. Donc, comme ça, on ratera rien. Hein. J'ai envie de dire à ce stade. Et donc, ça veut dire que c'est probable qu'il y ait des ennemis. Merde! Je suis mort. Bon, je vais récupérer mes 15 000, ne vous inquiétez pas. Je l'espère d'ailleurs. Je l'espère vraiment parce que sinon c'est chaud. Mais du coup, ouais, j'ai. Oh là là.
Allez, vas-y. Voilà. Voilà. Vous voyez, on a vu d'où je viens. Donc, je vais tourner. Là, ça va être la guerre. Là. C'est surtout parce qu'il fait sombre. Donc on a un peu du mal à voir. Connard. M'attaquer par derrière là. Bon, là je vais, comme j'ai dit, je vais peut-être déjà aller par là. Enfin, on va. Comme ça au moins on aura visité cet endroit-là. Dedans avant parce que apparemment il y a des gens assez bizarres ici là qui veulent m'attaquer quand même. Merde, 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 merde. Mais... Allez, vas-y. Avant de l'ouvrir, je vais aller voir là-bas. Par contre, je sais pas ce qui... C'est quoi le truc qui apparaît au milieu, là, parfois. Ça, c'est... Ça restera un mystère, probablement. Ah, d'accord. Ça permet... Oh là là. Oh, mais... Attends, attends, attends. Oh là là. Et franchement, c'est vraiment une ville de psychopathes. Hein.
la chance que je peux pas les avoir. Eh mais eh, c'était malade. Vas-y, c'est quoi, je vais aller j'ai récupéré mon âme, je vais juste up un peu mes stats là parce que c'est pas comme ça que je vais aller loin. Hein. Allez, vous savez quoi? Retournez au sanctuaire. Déjà, on va aller voir... déjà, elle, là. Ah. Ah ouais, il y a aussi des doubles à vendre. Tous les trucs en double. Voilà, sur moi, on est bon. On va voir lui. Voilà, là ça veut dire que normalement mon bouclier devrait prendre plus de trucs. Donc normalement ça devrait être mieux en endurance, je pense. Je pense, je sais pas, voilà. On tente des trucs, hein. Allez, on va lui parler. Weapons and protection are sturdy enough by and large. Ouais, c'est sûr qu'il va essayer de prendre ces trucs. Overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder, or simply rest at a bonfire.
But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure ye. So handle them with care, if you would. Voilà. Je vais parler parce que voilà, c'est comme ça, au moins ça lui fait plaisir, tu vois. Si j'ai parlé à quelqu'un dans ma vie, tu vois. Bon, allez. Où est-ce qu'elle est l'autre? Elle est là. Welcome home, speak very well, then talk Haken. Donc, parce que je pense qu'il faut aussi augmenter la vigueur, puisque la vigueur, je pense que c'est la vitesse. On va faire ça, hein. Voilà. Logiquement, je vois pas de différence, hein. Bon. Allez, pourquoi pas. On va voir de toute manière. À toi. Je sais pas comment il m'a regardé lui. Hop, oui. Par contre, est-ce qu'il y a un moyen de monter? Ah d'accord, en fait l'endurance. La différence c'est qu'en fait. L'endurance se régénère beaucoup plus vite, je pense. Je pense que c'est ça la différence, en fait. Au moins, il y aura un ennemi, non? Un peu bizarre qui va venir m'attaquer avec... Attendez, je vais voir 2 secondes. Normalement, il y a moyen de monter, hein. Vas-y, il vient d'où? Parce que j'entends des bruits, du coup, je sais pas d'où ils viennent, quoi. Bon. Ah. Et au-dessus, je sais qu'il y a un ennemi. Ah non, mais il est tombé, ouais. En fait, c'est lui qui m'a attaqué, mais là, il est descendu pour en découdre, comme on dit. Donc, automatiquement, je l'ai explosé, quoi. Alors qu'aurait dû rester posé là-haut, il y aurait eu moins de soucis. Mais bon, tu sais, il y a des ennemis comme ça, hein. Plus rien. Bon, là, je sais que c'est la guerre. Est-ce que je peux prendre l'arbalète et les viser? Apparemment, non.
là va falloir courir. Son pouls, il s'en est bien servi. Hein. Je sais pas si c'était un homme ou une dame d'ailleurs. Hein. Mais là, bon, à ce stade, j'ai pas envie de savoir. Moi, je sais juste qu'on a essayé de m'attaquer. Donc, automatiquement, je me défends, tu vois. On dirait le mec, on dirait que je suis en tôle, tu vois, et que j'explique à la police pourquoi je me suis défendu, quoi. En mode. Bon. Alors, du coup, ouais, on va passer par là. Tranquillement. Ah 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 ah, ça c'est un bruit. Ah, merde. Oh, il est tombé. Il est du con. J'ai rien à faire. Par contre là, c'est un beau champ, tu vois. Enfin un beau champ. Un beau champ de fleurs, tu vois. C'est pas mal. Ah merde, 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 c'est un chien. Est-ce que c'est une bonne personne? Ah ben non, 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 c'est un... Ils sont deux, c'est ça le problème. Quand ils sont deux, c'est compliqué, hein. Bon. Après, quand il reste qu'un à abattre, c'est simple, quoi. Y a pas vraiment de soucis. Mais bon, ça va être long à tout visiter, hein. De ce que j'ai vu, il y a tellement d'embranchements. Voilà, Yank. Vas-y, viens. Oh là là, tout le temps, et tout le temps, tout le temps, non, non. Là, il y a trois embranchements, donc, bon, ici, ça mène à rien, ok. La panse renferme un foyer de transposition. Bon, j'ai rien compris à ce que ça veut dire, mais c'est pas grave.
vous approchez de l'arbre géant maudit. Bon. Bon, au moins on peut pas passer par là, donc... Au moins on le sait. Ouais, ça a l'air long. Allez, encore deux embranchements, quoi. Déjà, je vais prendre ça. C'est cet endroit-là. Hein. Calmement. Mais là, bon, là, j'avance tranquillement quand même. Hein. Enfin, tranquillement, je me suis fait exploser, mais. Allez, crêpe. Mais ils sont en train de m'exploser. On voit tellement rien. Ah ouais, c'est un énorme rat. Ah, crève. J'ai senti qu'il voulait m'attaquer. Je l'ai vu direct, là. Bon. Ça va. Moi je pensais qu'il allait avoir plus d'énergie quand même. Oh, il y a encore plein d'embranchements. Eh, il y a des embranchements sur des embranchements sur des embranchements sur des embranchements là. Oh. Pas possible ça. Bon, je pense que ça se termine là. Ouais, ça va. C'est pour ça que j'aime pas ce genre de jeu, tu vois, c'est que parfois il y a tellement d'embranchements que tu te perds, tu vois. Yes, ça c'est pas mal ça.
Juste un truc. J'ai juste allumé le ventilo hein, parce que je sens que le PC là il chauffe pas mal en vrai. Enfin le ventilo du PC hein. Parce qu'en réalité le ventilo du PC je l'allume pas vraiment en ce moment. Je pense que vous savez pourquoi. Hein. Allez, je vais aller voir là, après je vais juste faire une mini pause toilette on va dire, hein, parce que là... Parce que les boissons énergisantes comme le café c'est un antidiurétique je pense. Je pense que ça se dit comme ça, je suis pas sûr. Bon là. Elle m'a explosé. Bon, je reviens très vite et je lui fais la peau, voilà, comme on dit. Alors, juste où je vais. Bon, j'espère que je vais mettre comme ça. Parce que j'ai pas envie de me faire attaquer pendant que je go rapidement là. Ce serait con. Je reviens très 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 vite. Et là, il suffit que je mette le ventilo. Et le jeu ne chauffe plus du... Enfin, le PC ne chauffe plus vraiment. Donc c'est bien. Bon après, c'est un jeu de 2015, je pense, Dark Souls 3, je suis pas sûr. Mais oui, c'est normal, bah ouais. Mais je veux dire, t'as certains jeux, même avec le ventilo... c'était pas suffisant quoi. Et ça veut dire que le ventilo arrive à bien. Enfin. Que le jeu de. Ouais voilà. Donc avec ma RTX encore heureux quoi. Bon il faut que je récupère mon. Mes sables là. Par où passer. Ah, ah ah ah, j'ai vu un truc. Ah, il y a aussi... Attends. Faut que je trouve un moyen de monter, mais bon, déjà, je vais... Ah merde, merde, merde. Mais pourquoi lui? Oh. Oh c'est... Ouais non, non, là... Là, ils nous font un duo, là. Ah non mais ouais, je vais aller doucement, je vais aller doucement. Déjà lui je vais le défoncer lui. Quoique non, 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 je vais pas le défoncer tout de suite parce que j'ai envie de récupérer avant mon âme, tu vois. Tu vois, et ça, c'est pas quelque chose d'anodin, on va dire.
pas plus tard comment faire pour le prendre. Donc je vais aller doucement. Bah vas-y, ils sont venus. Voilà, faut vraiment. Et c'est ça, comme j'ai dit, quand il vient dans l'équipe, c'est compliqué. Hein. Bon. On recommence. Pour la troisième fois. Elle est là, la grosse, là. Ouais. Ah, j'ai même pas eu le temps de me relever, quoi. Oh là là. Voilà, et c'est... Le gars, il devait mettre sa coup de massue avant, quand même. C'était important. Il voulait montrer qu'il avait participé à ma mort, quoi. Franchement... Ça, je dis, faut les tuer un à un tranquillement et tout, mais c'est faire attention, quoi. C'est pas évident. Oh, attendez. Ouais, c'est pas visé. Hein. Ah, mais... J'en ai marre à chaque fois. C'est encore... Bon là, je sais pas si c'est l'endurance ou la vitesse, là, le problème, mais... J'ai quand même 20 en endurance, donc... Bon.
Voilà. Bon. Comme ça au moins c'est fait. Fragment titani, ok. Je vais descendre par là parce que j'ai pas envie de perdre des PV. Et normalement il y a d'autres ennemis. Que je me souviens qu'il y avait deux personnes qui m'avaient attaqué. Ouais, c'est ceux qui sont là-bas. Vous l'avez remarqué, hein, donc automatiquement. Je regarde juste ce qu'il y a là et là avant. Pas grand chose. J'ai envie de dire tant mieux. Qu'est-ce que... Ah, je sais pourquoi j'ai pas réussi à me protéger. Voilà. Je me disais c'était bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce... Mec ! Le guet-apens ! Le guet-apens ! Oh ! Ça, c'est pas bien, ça, par contre. Bon, on va faire gaffe à ça aussi, hein, voilà. Ouais, le problème c'est que... Oh là là. Le problème c'est que je veux récupérer mon âme, moi. Non. Non. J'ai même pas pu récupérer mon âme, quoi. Ah, ça m'énerve. Eh, je vais exploser, c'est bon là. Ah, ils m'ont énervé là. J'ai perdu mes âmes, voilà. Voilà, grâce à eux. Du coup, j'en ai plus rien à foutre, lui. On dirait Saddler de Resident Evil 4, quoi. Mais Saddler qui est un peu grossi, quand même. Hein. Qui a pris du poids. D'ailleurs, on dirait quand même un peu le village de Resident Evil 4, aussi. Hein, donc...
Voilà, on va y aller petit à petit. Fouet. Attends, là on va se prendre pour Simon Belmont ou comment ça va se passer là? Attends. Ouais, je peux pas l'utiliser de toute façon. Donc, bon. Ouais, ça commence à mettre des références là, ouais, faut connaître. Hein. Bon. Regardez-moi ça là. Oh là là, la technique. Bon, vas-y, plus sérieusement. Hop, je vais passer par là. Ah, Simon Belmont. C'est dans Castlevania. Pour ceux qui connaissent. Castlevania. Mais bon, après, ouais, c'est des jeux. D'ailleurs, il faudrait que je joue à Castlevania, la version NES là. Hein, parce qu'il doit y avoir des succès dessus, c'est sûr. Je sais même pas si c'était. En fait, ça m'énerve parce que je sais pas si c'était un méchant. Parce qu'il m'a rien fait. Du coup, j'ai des doutes. Mais ses yeux me paraissaient quand même. Je sais pas. Je vais vivre avec ce doute toute ma vie, voilà. Boah, là tu vas pas me la faire. Ah ta 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 ta, je connais cet endroit là. Donc là on est en train de. C'est pas mal. Ça veut dire qu'on est retourné en arrière. En arrière à ce niveau-là. Ce qui est pas mal. Donc je vais pas retourner tout en arrière, je pense. Bon. Déjà je vais prendre l'épée. Mais. Si, je me souviens de cet endroit-là. Hein. Ouais. Ça, je vais le laisser pour le moment, puisque... Ouais, du coup, on va... Ouais, c'est bien, hein. Heureusement, j'ai envie de dire. Ça nous fait... Au moins, on a un point de ralliement, ce qui est pas mal. On va aller voir là-bas ce qu'il y a déjà. Ouais, c'est pas grave. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oh!
Ok. Oh là là. Je sais pas si vous avez vu le temps qu'il met à se relever quoi. Vas-y, j'ai envie de récupérer tous les trucs. Vas-y. Glisser, mais je vais pas rigoler avec lui, moi aussi. Bon, c'est pas grave s'il reste des trucs à prendre, hein, je sais pas. Pas non plus trop me prendre la tête. Ah, dommage qu'il n'y ait pas une carte, tu vois. Ah, je sais où ça mène. Je sais où ça mène. Cette porte-là, ça va mener normalement à l'endroit où c'était noté l'arbre, je sais pas quoi là. Genre que ici c'est l'arbre maudit ou je sais pas quoi. Ouais. Allez, vas-y, barrez-vous. Je vais juste aller me régénérer un point et je vais continuer la route, hein, du coup. Où aller, on va aller là-bas et puis on verra les autres endroits ensuite. De toute façon, on a le temps, hein. Enfin, on a le temps. Quand même 5h39, hein, mais bon, je me comprends.
Mais rien que dans cet endroit-là, il y a déjà beaucoup de trucs, quoi. Voilà, bon. Là, apparemment, il y aura un boss. Hein. Ça sent le boss. On va pas se mentir. Ça sent le boss. On va vous dire ce qu'on veut. Du coup, je vais me régénérer, quoi. Le gars, il dit, je vais me régénérer. Et en fait, je disais ça parce que j'allais boire ma boisson, quoi. Je me suis cru dans Dark Souls, t'as vu? Bon. Est-ce qu'ils veulent... Oh, ils veulent m'attaquer. Je leur ai rien fait, tu vois. Moi, je viens comme ça, en ami. Tu vois, que... Est-ce que vous croyez que c'est en attaquant les gens que les gens vont venir revisiter votre beau village? Dégage, là. Franchement. C'est pas ici que tu vas passer des vacances. Hein. Ah, merde. Voilà, j'en étais sûr. Par contre, va trouver la hitbox d'un arbre comme ça. Ah là là. D'abord, je vais tous les tuer au moins. Pour être tranquille après. Devoir m'approcher vraiment proche. De toute façon, je suis obligé d'être proche pour tuer ce genre d'ennemi. Hein. Je pense les... Ouais, il faut qu'ils se retournent.
Oh, mais vas-y, hey, il est énervant par contre. J'attaque le truc, mais sans me faire à... Merde ! Je pouvais plus sauter ! Ah ! Merde, non! Vous inquiétez pas, on va le battre, il y a moyen, franchement il y a moyen. Maintenant je sais comment faire, vous inquiétez pas. Mais ouais, c'est bon, vous inquiétez pas. On y retourne. Mais il est long quand même, hein. Ouais, je vais me régénérer. Je vais pas prendre la hache. Parce que j'avais pris la hache exprès parce que je me suis dit bon, c'est un arbre. Mais je pense que je vais reprendre l'épée. Pour sa rapidité. Oh, mais c'est pas possible ça. Par contre, attends. C'est ça, le bouclier du dieu de la guerre, c'est ça, c'est un truc éclaté là qui vaut 88. Bah ouf hein. Franchement, remettons en question hein.
Parce que là... pas ouf, hein. Ouais, non. Oh là là, j'ai... Merde. J'ai perdu trop d'énergie, là. Faudrait que je regarde où je peux... Oh là là. Normalement, il y a un endroit pour... enfin, où j'avais sauvegardé qui est un peu plus proche, je pense. Juste retrouver l'endroit en question, mais je sais plus c'est où. Là... Ouais, c'était ici. Voilà. Comme ça au moins. Je passe par là. Ouais, j'ai oublié. Connard. J'ai oublié, j'avais oublié. Bah, je vais retourner. Hein. Je vais me régénérer, j'avais oublié qu'il y avait un chien. Ici. Mais. Voilà, j'ai fait n'importe quoi encore. Je voulais prendre le truc qui était là-bas, mais pff, allez, non, pas envie. Allez.
Maintenant, je sais qu'il y a un chien direct là. Faire gaffe. Mais pourtant, j'ai essayé de le lock, hein, mais il l'a pas lock. Bon. Oh mais. Visez ou quoi là? Mon âme, elle est en dessous. Je les tue tous déjà. On va être tranquille. Là, qui servent à rien. Mais très mal commencé là, franchement c'est... Le problème c'est ces ennemis là. Même pas, il a même pas touché. Oula, le truc là qui lâche, je pense que c'est mauvais, je pense.
Bah, je suis mort. Bon, c'est pas grave, au moins. Je sais qu'on peut le battre. Je sais qu'on peut le battre aussi. Pas se précipiter. La dernière fois, je me suis fait exploser parce que j'ai pas. Comment dire ? Le problème, c'était les ennemis en fait autour. Donc, il faut vraiment que je fasse gaffe aux ennemis autour quand je combat. Je pense que je vais utiliser une braise pour voir. Ça, j'aurai beaucoup de PV. Ouais, si, il saute du mur. Enfin, en fait, quand il n'y a plus vraiment d'ennemis, t'as des ennemis qui redébarquent en sautant par-dessus la rambarde. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Allez, vas-y. Cours là. Fais le marathon. C'est bizarre, on n'a pas vu la grosse dame, là. Bon. On s'en fout un peu. Voilà. C'est que je vais tuer, voilà. Allez, vas-y, là. Il y a trop d'ennemis et ça me saoule. Parce que ça gueule deux que je galère. Moi j'ai bien. Oh là là.
crève-toi. Voilà. Attention, ouais, je suis obligé de tomber, hein. Y'a pas de... Non. Je récupère d'abord mon âme. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Le problème c'est l'endurance. Franchement, encore une fois. Voilà, j'ai crevé son truc. Est-ce que je dois tuer sa main? Ça je sais pas. Je pense que je dois aussi détruire sa main. Parce que là, sinon je vois pas le... Ah. Non, j'ai même pas pu. Ah là là. Bon, je vais pas réutiliser de braise, mais... Le problème c'est que j'avais utilisé trop de potions dès le début quoi. Oh là là. Je le refais encore 2-3 fois et après j'arrête. Mais je pense qu'il y a moyen. Franchement il y a moyen mais je dois être précis. Et surtout... Faut que je fasse gaffe quoi. Mais c'est toujours chiant qu'ils mettent les... Ils devraient mettre des checkpoints vraiment proches des boss quoi, parce que tout le temps refaire le niveau quoi. Ah, oh, je me fais exploser. Mais... Wow.
Ouais, bon, je vais me régénérer. Hein. À ce stade, j'ai pas le choix, quoi. Parce que là, j'ai fait n'importe quoi, donc automatiquement, je vais me faire exploser. Surtout que eux, ils ont pas l'air de rigoler en plus. Donc bon. Alors, je regarde vite fait. Ah ben merci pour le raid Nocturna Slot. Ah, et salut du coup Nocturna Slot et Balrog VT. Vous risquez de regarder vraiment un... Comment on appelle ça? Un gros noob. Mais bon, c'est pas grave. Juste me régénérer encore. Et merci pour les follow. Bah, de toute façon, quand on joue à Dark Souls, je pense que c'est obligatoirement on va en chier, donc on va dire que c'est une obligation, quoi. Là, j'essaie juste de battre un boss avant d'arrêter, si je réussis. Allez, vas-y. Ouais. Bah. Oula. De toute façon, le temps de refaire tout le temps le niveau là pour arriver au boss. Allez, on y retourne. Bon, on va essayer d'en éliminer un maximum rapidement. Comme ça, bon, pas de problème. Merde, j'ai mal géré le truc là. Ah ouais, c'est vrai, l'endurance, faut faire attention à l'endurance. Ah là là, mais comment ils s'énervent. D'ailleurs, faut pas que j'oublie qu'il y en aura des... Ouais. Voilà. Oula, ouais. Là c'était un... Voilà. Comme ça au moins là, c'est fait rapidement. Sinon bah bonne nuit à toi du coup Nocturna Slot. Ah. Moi j'irai dormir quand j'aurai bien souffert. Et puis remercie pour le follow hein. Et le raid. Je sais pas si la main elle est tuable, mais j'ai bien envie de tuer la main.
Je pense que derrière... Ah, d'accord. Derrière, il y a aussi des boules. Je les avais pas vues. Ah, mais... Non, là, là par contre, j'ai fait le coup. Ah, mais... Ah mais j'ai pas sauté à temps. Et c'est... Ah mais c'est horrible. Bon, je vais recommencer. Je suis obligé. Faut vraiment que j'apprenne à esquiver au bon moment. Comme j'ai dit, c'est la clé dans ce jeu, en tout cas pour moi. Que bon, une parole de noob automatiquement, on n'est pas sûr. Voilà, voilà. Aïe, comment. Ouais, bon, je vais me régénérer. Oh là là. Je pense qu'à force de recommencer et de récupérer mon âme, je vais avoir. je vais en avoir pas mal. Allez. Vas-y, vite, 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 viens, 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 que les autres viennent. Voilà. Mais j'avoue que franchement les ennemis ils aident vraiment pas. Hein. Oh là là. Ah, il m'a tué en un coup. J'ai perdu toutes mes âmes. Oh non, non. Oh, fait chier. Non, mais... Ah, ça m'énerve, ça. J'avais 10 000 âmes en plus. 10 000. Allez, vas-y, tape-moi. Je t'explique.
Non. Non. Oh, vas-y. Eh, ça c'était bien ça. Bon, je vais remettre une braise une dernière fois, puis puis on verra. Je vais quand même essayer de d'être précis. Donc je vais pas trop m'approcher. Lui, quand je m'approche trop, j'ai une idée. Franchement, j'ai une idée. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais. Allez, viens. Viens, viens. Voilà. Lui, pour l'activer. Voilà. Comme ça, dès que j'aurai activé l'arbre là, je vais lui foncer dessus. Voilà, il va venir vers moi. Je pense pas que je pourrais l'activer lui. Je serais trop proche de l'arbre. Ah si. Bon, je pense que j'ai oublié personne, hein. Là maintenant, je fonce sur lui le temps que les autres viennent. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et là maintenant, il est déjà dead. Donc on va passer directement à la deuxième phase. Voilà. J'oublie tout le temps qui attaque ensuite comme ça là.
d'accord, ouais, et, ouais, ok. Et les trucs à péter aussi sur, sur les côtés, ok. Oh merde! Oh. Merde! Fallait que je trouve l'endroit en question, mais j'ai pas trouvé. Non! Non mais... Merde. Merde, je peux plus, je peux pas l'utiliser. RIP. Ah ben vas-y, je le recommence, je le recommence. Je peux le battre. Franchement, je peux le battre. Maintenant, j'ai compris. Parce que... Avant cette partie-là, je ne savais pas, en fait, que qu'il y avait des boules ailleurs, en fait. Voilà, en gros. Là, je sens que ça peut le faire. Ça peut le faire. Maintenant, on a une petite stratégie. Bah, au début, je savais pas. Je pensais qu'il y avait qu'une boule au milieu, tu vois. Mais en fait, non. T'en as derrière et t'en as sur le bras. Et en fait, faut les péter pour enlever énormément d'énergie. Donc Maintenant que je sais ça. Merde! Ah voilà, dégage. Donc bon, on va essayer de faire ça. Normalement, ça devrait le faire. Là, apparemment, on a pas mal d'ennemis. Ah. Ouais, j'avais juste envie de la taper, en fait. Parce qu'elle m'énerve. J'aime pas sa tête. Bon, allez. On recommence la technique.
Mais... Attends. Oups. Mais... Et d'ailleurs, il faut que je tienne l'arme à deux mains. Ça aussi, il faut pas que j'oublie. Voilà. Allez, vas-y. D'abord m'occuper de derrière. Comment c'est? Ah là là, mais... Merde. Bah, je peux pas. Ah mais... Ah mais, il faut qu'il me laisse. Mais... Je peux pas bouger parce que... Merde. Voilà. Là, ici. Voilà. Fallait que je sois de l'autre côté, malheureusement. Ou alors... Merde. Tu vois, le temps que je tape et le temps que... Oh là là. Ah oui, c'est vrai, il faut que je récupère mon âme. Je suis con. Bon, c'est pas beaucoup, mais... Là, normalement... Il faut que j'attaque celui au milieu, mais ça va être compliqué avec la main. Hein. Et avant de...
là, quand il libère des trucs, je peux pas taper. Je crois que je l'ai tué. Voilà. Oh là là, franchement. Eh, c'était la guerre. C'était la guerre. Bon. Allez. Comme ça au moins. Mais ça me dégoûte parce que j'ai perdu toutes les âmes que j'avais, mais bon, c'est pas grave, on va dire. Juste avancer un petit peu pour voir ce qu'il y a. De toute façon, je suis obligé de passer par là, je pense. Ah non. Qu'est-ce que ça fait, ça? Moi, j'ai même pas de vertèbre, de toute façon. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Je regarde juste un peu ce qu'il y a aux alentours quand même. Ouais, le gars à 6h du mat, il se bat contre un arbre, quoi. Ça n'a aucun sens. Bon, allez, je vais juste avancer un petit peu voir. Déjà pour commencer, je vais retourner dans notre sanctuaire pour voir si je peux pas faire quelques petits ajouts. Déjà, je vais vendre ce que j'ai en double. Je pense que là ça sert à rien d'imprégner des trucs. Renforcer l'arme pour probablement. Ça passera de 152 à 166. Mais ça vaut quand même. Ouais, il en faut 345. Franchement. Attends. Cette arme là elle est rapide quand même et je vais essayer un peu de compter mes stats et je vais essayer de voir un endroit que j'ai pas vu rapidement. Super bien, ouais. Vigueur, ça sert à quoi? C'est ça le truc. Bon, j'ai l'impression que... Attends, dextérité... Dextérité, ça sert à rien. Dextérité, c'est pour la magie, donc ça sert à rien de l'évoluer, ce truc. Intelligence aussi. Foi aussi. Chance aussi. En fait, les quatre trucs ici, c'est pour la magie. La mémoire aussi. Ouais, je me disais bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
franchement. On va mettre à 18 ici. Je préfère avoir une bonne barre de vie quand même. Vu comment je galère ce... Voilà. Là, avec une barre comme ça, logiquement, ça devrait aller, quoi. D'ailleurs, je vais voir si j'ai pas un truc pour les astuces là. Non. Forcé. Ouais, je sais pas. Bon. Allez, je vais juste avancer un petit peu comme j'ai dit. Alors, c'était au pied du grand mur qu'on devait trouver une certaine personne, tu vois. Donc, on va essayer de voir si on peut la trouver. On se souvient de ça. Crève-toi. Mais le pied du grand mur, c'est ici, on est d'accord. Toi là, est-ce que tu peux me parler? Non, tu me parles pas? Bon. Bah. Ah, ou peut-être qu'elle est morte, ouais, c'est possible. Mais ce serait bizarre quand même. Ah! Non, là je suis en train de faire n'importe quoi là. En fait, je m'en fous de prendre autant de dégâts parce que juste à côté, il y a... Je sais pas pourquoi je montre avec mon doigt alors que vous voyez rien. Mais à côté, normalement, il y a un moyen de... récupérer... Enfin, de récupérer toute mon énergie. Hein. Parce que au pied du grand mur, c'est normalement ici. Donc, logiquement, il y a peut-être une personne à qui je peux parler. Hein. C'est possible. Je crois, hein. Que je me fais des idées, ouais, je me fais des films. Je vais me régénérer, je vais regarder un peu. Au moins. Lui, je vais sauver la vie, tu vois. Il m'est redevable. C'était pas ouf là. Non, c'est pas ouf du tout là. Je vais me régénérer, je vais recommencer là. Je vais recommencer là.
Alors c'est le problème, c'est que ils viennent, j'ai rien fait, et ils m'attaquent. Et à un moment donné, Ah non, là ça va être une mêlée là. Elle est pas morte. Ouais, mais... Mais merde. Ah, ah mais... Merde. Oh. Tu m'as éclaté. Voilà, au moins. Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir l'oreille, tu vois. Sinon je me serais fait attaquer par derrière, hein. Les gens, ils sont comme ça. Faut que je fouille dans ces bâtiments. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Oh, c'est mon truc. Qu'est-ce que je les aime pas. Pff, oula, j'ai failli tomber là. Là, je pense que c'est l'endroit que je connais déjà, donc je vais pas aller en dessous. On était déjà parti ici. Ah, merde, j'ai oublié. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Un petit peu quand même avant. Wow.
Ouais, il y a pas d'autre chemin, donc on va passer par là. Hein. Et là, voilà, on reconnaît l'endroit quand même. Hein. Ah mais... Ouais, ici on reconnaît ici hein. Ah mais... Oh mais merde. Ah il m'a... Elle m'a explosé. Je sais où je vais... Je sais où je vais me téléporter. Je sais où je vais me téléporter. Parce que maintenant que j'ai fait tout ce tour-là, je sais où je suis déjà passé. Donc c'est très bonne... c'est très bien. Voilà. Les gars, essayent de se trouver une excuse. Bon. C'est... Ici. On va récupérer là, mais on va aller à un endroit où je suis sûr qu'on n'est pas parti. Et ensuite, ça sera bon. Ensuite, on arrêtera. Parce que... On aura déjà assez fait. Voilà, pour ceux qui ont suivi depuis le début, hein, c'est-à-dire que Takanori. Ici... Voilà, c'est ici que j'ai perdu mon âme. Donc, bon, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais... Ah mais... Pff, en plus, elle peut traverser les... Non, vas-y, c'est chaud. Je vais descendre pour qu'elle dégage. Moi, elle est partie. Elle veut pas partir. Attends, je vais partir un peu comme ça. Elle ne veut pas partir. Ah, j'étais en train de me poser la question de pourquoi je la frappais en fait. C'était pour récupérer ça. Bon. Du coup, si j'ai bien tout retenu, il y a un endroit où on n'est pas parti. Faut que je reprenne ce chemin-là. Bon, déjà, je vais me régénérer. Voilà. Ah mais... Non mais... Ah ça j'aime pas ça. Ça j'aime pas. Mais dégage, mais laisse-moi sortir là. Ah mais chier.
Bon. Voilà, on n'est pas passé par là. Ah ouais, carrément, d'accord. Ah non, là c'est chaud quand même. Je vais me régénérer, je vais revenir. Je reviendrai après. Je vais me venger après, vous inquiétez pas. Attends, je rêve où? Non, il est trop grand. Je vais me régénérer et je vais recommencer le truc. Mais cette fois-ci, je m'attendais pas à ce qu'il me jette son bol là. Là, il m'a fait un headshot à des centaines de mètres. Donc là, il y avait quand même une volonté de nuire. Hein, donc rien que pour ça, je vais défoncer sa gueule. C'est tout, je suis désolé, mais voilà. À un moment donné, ça, je vais pas laisser passer. Hein. Ouais, comme j'ai augmenté en force, il tue en un coup. Alors qu'avant, je devais mettre deux ou trois coups. Non, je pense deux coups. Là, pour lui, je vais juste me protéger comme ça. Je vais essayer d'activer l'autre après. Oh là là. Lui aussi va vouloir jeter son truc, non? Ouais. Bon, là ça va être du combat. Calme-toi là, tu vas te calmer, ouais. Sadler là, Lord Sadler et. Ah, l'autre il est tombé. Il est con. C'est pour ça que je me disais là, s'il a disparu, c'était bizarre. Non, mais il y en avait deux. Bon, il est tombé par. Il est tombé là-bas, bon. Bah, ça m'arrange, hein, j'ai envie de dire, à ce stade. Lui aussi, je vais m'en occuper. Oula. Non. Apprends à viser là, toi, franchement. Allez, on va visiter cette ville. Ce village plutôt. Et après, on arrêtera là. Franchement, ils aiment bien faire des fins comme ça là.
fait un trou là. Pas passé. Bon. J'ai failli tomber dans le ravin. Faut vraiment que je fasse gaffe. Hein. Est-ce que lui c'est un ennemi? Ah non. Hmm. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. C'est un dépressif, lui. No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. J'ai quand même vu un arbre qui a voulu me tuer, donc t'inquiète pas. Time after time. Yeah. Ah, les gars, il m'a parlé, il m'a fait de l'ASMR, là, j'ai envie de dormir maintenant. Bah, écoute, j'ai quand même voyagé un peu là. Qu'y a-t-il ? Attendez, attends. Là, est-ce qu'on peut ouvrir cette porte ? Ouais. Je vais pas y aller de suite. Je vais aller voir de ce côté-là aussi, il y a quoi ? Ok, impossible. Bon, on va regarder ce qu'il y a dans l'église. Je suis obligé, là. J'ai ouvert la porte. C'est sacrilège de s'arrêter après avoir ouvert la porte, quoi. Oula, oula. C'est qui ça ? Ouais, j'ai eu peur, je pensais que c'était un ennemi. Il ressemble à un oignon. Pourquoi il fait des bruits bizarres en plus, là ? Je sais que je suis beau gosse, mais... Ouais. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète well, pas. Oh, je connais. If I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Il fait des bruits trop bizarres, lui, en fait. Hein. Pas ouf. Hein. Allez, j'ai envie de trouver une petite sauvegarde, là, maintenant. Connard. Merde, je me suis... Ah.
qu'il peut passer par cette porte? Ça, c'est une question que je me pose. Bon, apparemment, il peut pas. Ah, si, si! Il peut passer. Il m'a feinté. Et là j'ai plus d'énergie hein. Donc je sais pas ce qui va se passer là à la porte suivante, mais ça va pas le faire. Quelque chose là. Oh merde. Je vais pas m'en sortir comme ça. Hein. Oh là là, il y a trop d'ennemis. Je vais me faire exploser là, ça sent. Ouais, faut les détruire avant qu'ils n'apparaissent. Du coup là aussi je vais devoir je ne connais pas les ennemis que je vois là, attends. Vas-y, viens. Ah merde, ça c'est mauvais ça. Oh merde, c'est quoi ce truc? Merde. Faut que je... Ah là là. Vas-y là! Pas possible ça! Attendez. Par là. Non, je pense que je suis obligé de passer de ce côté-là du coup. Mais j'espère que ça va pas m'enlever de l'énergie quoi, parce que. Ça m'a l'air quand même haut hein!
Non, ça va. Bon, je vais m'arrêter là. Au moins, je sais où je vais devoir récupérer mon âme et on sait où on va devoir continuer. En tout cas, bon, on va arrêter ici. On a quand même bien avancé. Hein. Puis en plus, je vais devoir couper tout ce que j'ai fait pour mettre sur ma chaîne. Donc bon, allez. En vrai, j'ai que mis la partie 1 et 2 que j'ai mis en privé d'ailleurs, donc il faut que je mette en public. Bon.